Yo, ça y est, on est arrivé à la gare de Kyoto, c'est juste. Putain, elle est vraiment classe, je vous montre. Et là, on va aller au Kyumizudera, c'est un temple où on peut voir toute la vue sur la ville. Normalement, il faut prendre le bus, donc on est à la recherche du bus. Mais là, on voulait juste s'arrêter 2 secondes pour prendre des petites photos de. Ah, c'est quoi ça? Et là du coup on va visiter un peu la gare et après on va y aller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malgré tout. Il est déjà quasiment 13h. Il faut qu'on fasse vite. On a tellement de choses à faire, je sais même pas si on aura le temps de tout faire. Donc faut qu'on fasse vraiment au plus vite. Bon les gens, on l'a fait. On est un peu crevé parce que ça monte. Mais on est au Kyumizudera. Et la vue est juste magnifique. Franchement, ça valait le coup. Là, il y a énormément de monde. Mais moi, je veux voir. Moi, je crois que c'est là-bas. Ah putain, sérieux? Il y a grave des travaux par contre. Ah ouais, mais il y a des travaux partout. Ouais, malheureusement, il y a plein. C'est en travaux partout, donc du coup, on voit pas grand-chose. Bon, je vais essayer de vous filmer ça. Buddy Candy Testo à l'arrache comme ça. On va goûter les Ichigo Kurimu Daifuku. C'est des Daifuku à la crème de fraise. Et là en fait on attend le bus parce que on est un peu perdu. Bah tu casses avec tes dents. Pourquoi tu casses avec tes dents? Ouais. Tu. Ouais. T'arraches avec les dents. Voilà, on est descendu du Kyumizudera. On a fait toutes les petites rues traditionnelles, tout ça, avec les commerces, tout ça. Et là, on va se diriger vers. On se retourne à la gare de Kyoto pour aller vers Inari. C'est là où il y a tous les torii, toutes les portes rouges. Donc voilà. Le sensei. Mmh. Super bon, super crémeux, pas sucré. Ça y est, on est devant le temple de Fushini Inari Taisha, donc qui est dédié à la divinité Inari, que vous pouvez voir en statue ici, qui est représentée par un petit renard. Et là, on se trouve devant le grand torii, donc qui permet le passage des esprits dans notre monde. Et là, on va se diriger vers le temple. Et après, il y a toute une randonnée qui peut durer jusqu'à 3 heures. Mais nous, comme on est très pressé, on va juste visiter le temple et voir rapidement les torii. Et voilà. Thank you.
se dirige vers le quartier de Gun. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. On débarque. Donc le Fushimi Inari, on l'a expédié en 30 minutes. Parce qu'on a trop de choses à faire et tout ce qu'on avait prévu de faire, on ne pourra pas le faire. Et là, on est où? On est lost. On est perdu. Je pense que c'est par là-bas. Ouais. On va essayer d'aller vers le Pokémon Center de Kyoto. Comme ça, on pourra dire qu'on l'aura fait. Alors, franchement, là-bas... sérieux, si vous venez au Japon, prévoyez au moins un mois pour tout faire. Parce que franchement, nous on a prévu 3 semaines, mais on a l'impression d'avoir rien fait, quoi. Ouais, non, franchement, 3 semaines, c'est chaud. Tout ce qu'on voulait faire déjà par rapport à la pluie, parce qu'il a fait que pleuvoir pendant tous ces jours. Là, ouais, c'est le premier jour. Franchement, c'est le premier jour où on voit le soleil. Enfin, on voit le ciel. Mais je pense que c'est là-bas, regarde. Ouais, c'est là, il y a tout le monde, les GPS. Il y a plein de trucs traditionnels. Donc on se dirige vers le quartier et puis on va voir ce qu'il y a. T'as le GPS? Ouais. Ouais, vas-y, mets Pokémon Center pour voir. A tout de suite. Bon bah petits achats compulsifs au Pokémon Center pour ne pas changer. On a juste acheté 5 boosters qu'on ouvrira dans le Shinkansen, histoire de s'occuper. Et là, on se dirige dans le quartier de Gun, on continue. Et Tony, il a acheté une batterie Pikachu d'ailleurs, qui est vraiment pas mal. Ouais. Vas-y, fais voir. Comme voilà. Ça, en fait, voilà, mon téléphone, c'est un Samsung et il se décharge trop vite. Donc du coup, bon, je me suis dit, je vais acheter ouais, ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc bah là, on va voir un peu ce qu'il y a dans ce quartier, parce que depuis le temps, on dit qu'on doit visiter, mais au final, on ne sait pas. Bento, regardez ce qu'on a.